Et bonjour à tous, c'est Jamifra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du display XY5 PrimoShock. Donc comme vous voyez, je ne tourne pas là où je suis d'habitude, je suis dans ma résidence d'étudiant. Donc si on entend des voisins du dessus, d'en dessous, d'à côté, ben, tant pis pour moi. J'ai obtenu ce display sur Le Bon Coin à 99 euros, donc avec les frais de port, etc. J'en ai eu au total pour 113, un truc comme ça, ou 110. Donc c'est un très bon prix. Je remercie le vendeur qui a été vraiment super sympa et qui veut même être au courant de la pioche qu'on a eue. Donc je lui enverrai le lien de la vidéo. Donc voilà, je pense que vous connaissez la série un petit peu. Donc j'ai fait le tour du display. Ici on a un Mega Galley King. Donc à l'arrière on a les 4 Pokémon des illustrations. Bon je lis pas ça, de toute façon c'est l'arrière du booster. Mega Gardevoir. Primo Groudon, et un peu d'ombre, mais c'est pas grave. Et Primo Kyogre, voilà, donc le display a un petit peu pris dans les coins, mais c'est parce que bah, forcément, dans les valises, quand je suis revenu ici, il a dû prendre quelques coups, mais je pense pas que les cartes, elles, ont été touchées, donc c'est le principal. Donc, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, il y aura deux parties de 18 boosters, donc là, on va faire le côté droit, puis le côté gauche, ou l'inverse. Donc, cette partie-là sera classique, donc je vais ouvrir les boosters normalement. Et la deuxième partie, enfin, ce sera différent, vous verrez, de toute façon, dans cette partie-là. Allez, on va déceler ce display. Voilà. C'est pas tous les jours que j'en ouvre un. Ça doit être le troisième que j'ouvre avec vous. Je crois. J'ai ouvert Point Furieux, j'ai ouvert Legendary Treasures et celui-là. Il y a le Tempête Plasma, j'ai ouvert avec vous en anglais. C'est le quatrième. Et moi-même, je m'en suis ouvert un autre. C'était un XY étincelle. Enfin, c'était 36 boosters en gros en loose, mais qui provenaient de display. J'arrive pas à me faire une guette. D'accord, il y a un booster qui gêne. Le display est beau. Donc, les quatre illustrations qui sont à la suite, c'est cool. On va mettre le display ici. Les quatre illustrations sont alors Primo Groudon, non pas Primo du tout, Méga Gardevoir, Méga Galekin et Primo Kyogre. Voilà, donc bah du coup bah, j'ai entamé ce côté-là, donc je vais garder le côté-là. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais carrément le sortir, je pense. Voilà, comme ça je peux le mettre autre part, je vais le mettre ici. Voilà. Allez, on est parti. On commence avec un Primo Kyogre. Donc dans cette série, j'ai bien ouvert. J'ai deux ultras déjà. J'ai Kyogre X et Primo Groudon X. Donc mon but serait d'avoir le plus ultra possible sans les avoir celles-ci. Bon après si je les ai, c'est pas grave. Les codes online, je les garde par contre, je suis désolé. Une, deux, trois, une, deux. Tac, 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 je mets, il n'y a pas d'ombre, c'est parfait. Allez, Rototop, Tarinor. Donc j'espère avoir toute la série, enfin du moins toutes les communes et peu communes, rares peut-être, mais bon après il y a 164. Les holos, je sais qu'un display ne suffit pas, voire deux ne suffisent pas. Tarinor, à cause des alphas notamment. Mussiole, Spinda. Gobou, donc je tourne un peu vite les cartes parce que je les ai déjà pas mal vues et j'ai déjà ouvert quelques boosters. Vibranymph. Linéon. Pas trop bien. Voilà. Néon. Lien spirituel Kyogre que moi j'ai déjà en reverse. En reverse justement. Un Hypocéan en Unko. Et Camerutex dans le premier booster. D'accord. Bon bah ça c'est cool. Bon, c'est pas l'ex que je préfère, c'est sûr, mais c'est pas mal. Et j'ai racheté des pochettes, donc si j'arrive à ouvrir le paquet, voilà. On va mettre dans une pochette rouge le Camerupt. Voilà. Moi, je la mets à l'envers, la pochette. Voilà. Il est sympa. De toute façon, vous le reverrez au récap de cette vidéo. Et sûrement aussi au récap de la seconde. Allez. Ouh, il est bien dodu celui-là. Le booster Mega Galekin.
Oh là, il est vachement facilement. J'ai à peine touché le booster, il est déjà ouvert. Bah, dans un sens, tant mieux si j'arrive à sortir toutes les cartes. Ouh, bah dis donc. Ah non, c'est parce que j'en ai laissé une dedans. Bon, ça va. Le seul code amène que je laisse. Hein. Tac, carte. 1, 2, 3, 1, 2. Touki, touki. Hop là. Alors, Barloche. Ogali, Kenotor, Lupio, Dinavolt, un Volcaropode, Hypocéon. Désolé si vous voyez l'ombre à chaque fois, mais j'y peux vraiment rien. J'ai mis une lumière à droite pour contrer l'ombre, mais je ne peux pas. Enfin, ça ne marche pas trop. Rosabis, il est franchement sympa, celui-là j'aime bien. Vu dessus comme ça, c'est pas un Pokémon très beau de base, mais moi j'aime bien. Alors, c'est un espèce de coquillage ici. Là, c'est sympa. En reverse, Dinavolt, on n'a toujours pas eu de Alpha, ça me fait penser. Et en rare, Kaymos, d'accord. Je l'ai pas de toute façon, donc je suis content. Les rares, faut bien y passer. Tac. Je mettrai tout ça sous pochette après. C'est surtout les ultras qui comptent. On voit le booster d'Odu au final, peut-être parce que Kaymos c'est un gros port. Mais sinon, c'était pas le cas. Ok. Tac. 1, 2, 3. J'en ai 3, oui. 2. Alors, un chouette qui est tout sympa. J'adorerais avoir le Massacrolo au passage. Il est franchement super. Donc, un chouette, Poussifeu, Starry, que je trouve franchement pas top, quoi. Enfin, ils auraient pu faire un peu le même style de dessin, mais plus beau, je trouve. Voilà. C'est juste mon opinion sur la chose, il y a beaucoup de gens qui l'aiment celle-là, moi j'aime pas. Menupio hyper mal cadré, mon dieu, ça va, c'est une commune. Solarock. Masco. Qui est vraiment belle aussi. Lanterne. Le sanctuaire des souvenirs. Les Pokémon évolués de chaque joueur peuvent utiliser les attaques de leur pré-évolution. Ça peut être sympa, mais là tout de suite, tu vois, je pense pas que ce sera joué à moins qu'il y ait une petite évolution, qu'il y ait une super attaque. Corps de sortie, d'accord, et en rare, Delcati, ok, bon bah, je retiendrai surtout la corde de sortie qui est une super bonne carte pour jouer. En fait, le dos d'un booster parce que je suis un peu dissipé, et au passage, le logo de la série qui est donc, je sais pas ce que c'est, au milieu donc il y a le logo Omega, mais autour il y a un espèce de diamant, je sais pas trop ce que c'est. Et les boosters s'ouvrent tellement facilement, mais c'est un truc de dingue. Franchement, hein. Par contre, les cartes, c'est pas ça. D'accord, je ne retire qu'une. Voilà. Et franchement, un commercial qui voudrait, par exemple, qui aurait acheté deux displays et qui veut remettre les boosters qui restent dans le premier display dans le deuxième, il pourrait les ouvrir sans faire exprès en tirant un peu trop fort, quoi. Après, je sais pas si c'est que ce display-là ou si c'est en général, puisque dans le tripack, je pense que ça s'ouvre assez bien, si je me souviens bien. Alors, Rototopo, j'ai déjà vu. Bagnon, il est super sympa. Donc, il y en a 4 même. Ah, il est sympa. J'aime bien Sport, le Pokémon actif de notre adversaire est endormi. Mais ça fait pas de dégâts. Marill. Écrapince. J'adore Écrapince. Quand j'étais petit, c'était un de mes Pokémon préférés. Bon, ça, c'était avant que je rencontre Golet. Mais Écrapince est franchement super. Aspico, encore Malkanrin, non. La quatrième commune de chaque booster sera toujours mal cadrée, je pense. Un cinquième même. Galifeu, qui est vraiment super aussi. Ouais. Il y a des espèces de falaises un peu sur le côté, là. Il est sur un rocher au milieu, là. Bon. De toute façon, c'est un beau Pokémon de base. Hein. Coup de pied en spirale, d'accord. Mer agitée, une seule fois pendant votre tour. Ça, on peut soigner 30 dégâts à chacun de Pokémon électrique et eau, d'accord. Monsieur Mime, d'accord. Pokémon de la mer de Sacha. Lumivol en commune et Nidoqueen en alpha rare, d'accord. Donc la première alpha qu'on aura sera dans le 5e ou 6e booster, et c'est une rare, d'accord. On dirait vraiment que l'image vient d'un jeu vidéo. Enfin, c'est la 3D quoi, mais un jeu vidéo de cette qualité là, franchement, ce serait du tonnerre. Et je suis sûr que la Wii U pourrait en avoir la capacité graphique.
Le code line 1, 2, 3, 1, 2. Allez, par contre, toujours pas de l'eau, ça fait un peu peur. Je sais qu'il y a... j'ai vu des gens qui ont des displays avec plus d'ultra que de l'eau. Ça fait un peu peur. Kenotor, Lupio, parce que du coup on aura beaucoup de rares en double. Dynavolt, Tentacool, alors pareil, voilà, j'avais déjà fait la remarque. Là on voit pas trop sur la caméra, mais en fait l'image c'est plein de petits points. Je sais plus comment on appelle ça comme style de dessin, mais c'est plein de petits points et franchement j'accroche pas. C'est un peu le même que sur Vibranymph. Rhinocorn, on l'a toujours pas eu, elle est superbe celle-là. Pareil, il y en a 4, on voit le début du 4ème à gauche. Et c'est, ça retrace un peu la route dans Pokémon XY où on monte sur les Rhinocorn. Le super bonbon, Castor. Oh, il est super, Castorno. Ouais. 120 PV pour une peu commune, c'est cool ça. Non, franchement, il est super beau. Ah, c'est une peu commune, on a qu'une auteur qui s'enchaîne. Bon, bah, si on a qu'une auteur ou Castorno en reverse derrière, on en aura eu 3 fois de suite. Attention, oh, Rizomax, sympa. Placer un Pokémon combat de votre pli du défaut sur votre banc, piocher 5 cartes. Mais on peut jouer que si c'est la dernière carte, ok, donc c'est un peu dur. Et l'Empereur en rare. Alors ça, quand j'ai appris que l'Empereur était une rare, je me suis demandé pourquoi. Parce qu'il n'y a rien de spécial pour le jeu, quoi. Ah, quoique, lorsque ce Pokémon est soigné, doublez la quantité de soins. Ouais, bof, 90 PV, quoi. Ouais, je sais pas trop pourquoi c'est une rare. Peut-être qu'au massacre est bien, donc du coup... si on passe par l'Empereur, c'est mieux. Bon. Hop. Oh, on va commencer avec un magnifique Skitty en pâte à modeler. Bon, toujours pas de l'eau, une seule ultra en 7 ou 8 paquets. Ça fait un peu peur. Bon alors, Skitty. Sac de nœuds. Arco. Bon, au moins comme ça, je risque pas d'avoir de doute sur mes ultras, puisque j'en ai pas. Monorpal, qui est sympa, qu'on a toujours pas eu. Meditica, pareil. Sapero, super. Enfin, j'aimerais bien avoir beaucoup, beaucoup de Alphard dans les communes peu communes en double. Parce que je pense que ça peut bien partir sans envie de grogner pour cet été. C'est sympa. Dynavolt, super. Lien spirituel, garde vassal, je l'avais pas du tout. Ça va même être la première fois que je la vois en vrai. Votre tour, sympa. Ok, elle est sympa. En reverse, c'est une rare reverse. Super sympa. Boule de nœud. Moi, j'ai un peu spoilé derrière, mais c'est pas grave. Ouh, c'est une holo, la première holo. Et. Ah, je trouve que c'est bizarre comment c'est imprimé. Je trouve l'encre, elle est un peu foncée comparée aux autres. Elle est un peu, en, un peu plus gras. Ah, c'est bizarre. Bon, ça n'empêche que c'est la première holo de la vidéo. Du display, là. Et donc ça mérite une petite pochette bleue. Et la rare reverse méritera une verte, mais je sais même pas si j'ai des pochettes vertes. Je crois pas. Il doit avoir toutes les couleurs sauf ça. Ouais. Je pense qu'on va faire un petit défi, c'est genre les holos contre les ultras en gros. Qu'est-ce qu'on aura le plus? Bon, quitte à choisir, je préférerais qu'on ait plus ultra, mais. Ça serait sympa qu'on fasse ça, tiens. Allez, je vais être pour les ultras. Marill, Écrapince, Aspico, Barloche, Obali. Ah, je viens de remarquer qu'il y avait un dresseur ici. J'avais jamais fait attention. Et derrière, c'est un autre Obali, ça, peut-être? Oh oui. D'accord, j'avais jamais fait attention vraiment à l'illustration. J'ai toujours vu que la boule. Hypocéan, il est franchement super beau celui-là. L'eau est super bien faite. Oh, j'adore. Rodabis, Frison. Ah, mon Frison. Les attaques de ce Pokémon infligent 40 dégâts supplémentaires au Pokémon Plante, ça c'est super. Bon, par contre, les Pokémon Plante sont pas très joués, mais c'est super quand même. En reverse, Mascadon un peu commune. Et Charmeleon rare que j'ai déjà, puisque je l'ai eu dans un tripack. Peut-être pas celui que j'avais ouvert avec vous. Parce que j'en avais ouvert un autre hors caméra où j'ai rien eu. J'ai une holo en vidéo spectral. Et mais l'ouverture, mais vous l'avez vu le booster là, mais je tire à peine dessus. Hein. J'imagine dans quelques années, un gars qui veut garder ce booster là scellé parce qu'ils seront rares un jour, et qui soulève la manga juste pour voir par exemple, la date de parution du booster pour voir son âge, il pourrait l'ouvrir sans faire exprès quoi. Une petite trace là sur la rare.
sais pas si vous la verrez. Moi, il y a un tout petit trait, c'est pas gênant. Sur les quintes maintenant. Les cartes du bloc XY et fin de bloc noir et blanc, on peut les considérer comme rares s'il y a un point blanc, comme neuf s'il y a un point blanc dessus, quoi. Donc Gogu, Krak noir. Tari noir, je crois qu'on a commencé à voir toutes les communes. Spinda. Et ben Hippotrempe, on l'a encore vu. Ben, il est aussi beau que le Hippocéan. Kunotor, en ancien trait, j'aimerais bien avoir une Alpharte en reverse. Nidoqueen en peu commune, 142, c'est super. Flobio, qu'on n'avait toujours pas eu, il est super beau aussi. Bon, par contre, ses narines, je trouve qu'elles sont un peu mal placées sur la carte. Bon, après, c'est que mon avis. Senior et Junior, qui existent en Foulat. Pareil, je trouve que l'encre est un peu plus grasse. Plus grasse, ouais. Regardez, par exemple, pour l'illustrateur. Cherchez jusqu'à deux cartes dans votre deck et ajoutez-les à votre main. Vous pouvez jouer cette carte seulement si l'Anne a été mis KO. D'accord. Et Minotaur en rare que j'ai déjà aussi. C'est la toute première rare que j'ai eue dans mon tout premier booster de cette série. Ok, bon, c'est vraiment pas fameux. Hein. Une ultra, une holo. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. On est presque à la moitié. Ah, il nous reste 10 boosters quand même. Ah non, j'en ai pas ouvert tant que ça. Je croyais. Je croyais. Allez. Et ben, j'arrive pas à. Voilà. Les boosters sont super facilement, mais les cartes sont vraiment collées entre elles, quoi. Enfin, collées dans le booster. Une, deux, trois. Une, deux. Et toutes les cartes ont un tout petit trait. Attends, je vais essayer de vous le montrer. Mais. Bref, juste ici, à côté de mon doigt, il y a un tout petit trait blanc, mais sur toutes les rares quasiment. Après, peut-être aussi les communes, genre, je fais pas attention. C'est pas gênant, gênant. Vous l'avez même pas vu, mais voilà. Hop, Arco, Monarpal, Medidika, Rototop, Balignon. D'accord. Bah regardez, la carte est super mal découpée. C'est un peu dégueu. Bon, ça, c'est une dresseur. Mère agitée. Ouais, franchement, c'est dégueulasse. Monsieur Mime. Allez, Macro, tu peux te faire. Voilà. Monsieur Mime. Volcaropode, franchement il y a beaucoup de peu communes qui ont beaucoup de PV, je trouve. C'est pas plus mal. Le Pat d'eau fraîche, d'accord, on l'a toujours pas eu en peu commune. Et Rhinastock en rare, d'accord. Et franchement les pleux des rares ça me fait un peu peur. C'est parti pour Méga Galekine. Ça s'ouvre tellement facilement ça. Bon, dans un sens, c'est bien parce que ça me fera des pochettes pour faire les envois pour protéger les cartes. Parce que mine de rien, ça protège quand même. Hop. Allez, Starry. Coquiperle. Sapeureau. Lumivol. Solarock. La Vilaine Assurance qui existe en secrète et que, franchement, quitte à choisir, je veux pas de secrète. Hein. Je préfère avoir une holo en plus qu'une secrète dans cette série. Parce que je l'ai. Bon, si, il y a une secrète que je veux, c'est l'échange. Parce que je veux la jouer. Mais c'est tout, quoi. C'est juste un peu pour la frime. Parce que les échanges, c'est pas comme si j'en avais besoin. Une deuxième traîneur, la Russe de Max. Rhino Féroce, super, on l'a toujours pas eu. Bon, coup de retraite de 4. C'est assez énorme, elle sera pas jouée, c'est sûr. Observation de Prof Eco qui existe en Full Art. Et quitte à avoir une dresseur Full Art, c'est celle-là que je veux. Mélange. Ah, quoique. Comment il s'appelle? Arthur, là, le truc d'Arthur, le maître de la team Aqua, franchement, il m'intéresse aussi. Mélangez votre main avec votre deck et lancez une pièce. Si c'est face, piochez 7 cartes. Si c'est pique, piochez 4 cartes, d'accord. Pour ceux qui se souviennent de la carte du professeur Chen, la théorie du professeur Chen en Appel des légendes et AGSS, elle faisait le même effet, mais sans lancer de. En fait, on lançait pas de pièce et on piochait cette carte. Donc, ouais, je pense que celle-là, elle a des chances d'être jouée. Et waouh! Ça, c'est une carte que je voulais parmi d'autres. Mais je pense que c'est mon holo préféré de la série. Et l'avoir directement comme ça fait vraiment plaisir. Je sais pas exactement combien il y a d'holos dans la série, mais. Je sais que je les aurai pas toutes, sauf si j'ai beaucoup de chance sur les reverse, mais il faut pas trop rêver. Bon, la pochette cache un peu l'effet holographique, mais elle est sublime cette carte. Limite, je suis plus content d'avoir celle-là que le Camerupt. Bon bah deux holos, une seule ultra pour le moment. On continue, j'aimerais bien avoir au moins deux ultras voilà, sur les prochains boosters.
Quand je vois, il y a des displays qui ont eu 7 Ultra plus une secrète, des trucs comme ça, c'est abusé. En 9 boost, tous les 9 boosters, t'as 2 ou 3 Ultra, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment abusé. J'arriverai pas. Bon. Tac. Tac. Et donc, du coup, moi, ça me ferait suer d'avoir. D'avoir que ça, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de chance sur mes displays quand je les ouvre. Le point furieux, j'avais que 4 ultra rares. Et même le Legendary Treasures que j'avais ouvert, c'est une série qui est réputée pour avoir genre 16 ultra, 17 ultra. J'avais même vu un display avec 21 ultra et j'en avais eu que 14, je crois. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Tarinor. Spinda. Hippotrampe. Skitty, dégueulasse. 7 de nœuds. Alors, Latinapolt, il est super. C'est là j'aimerais bien l'avoir en reverse. La Spiritual Guard War, toujours aussi beau. Galifeu, pareil. En reverse, Rosalys. Et Sharpedo X, d'accord. Bah, je vais pas vous cacher que quand j'ai vu les cartes qu'il y avait, les deux riffs que j'aime le moins, c'était Sharpedo et Camirut. Donc ça me fait un peu rire de tirer ces deux-là. Pareil pour les foulards, enfin, d'ailleurs je les veux pas. Enfin, je préfère en avoir d'autres. Mais bon, je vais pas me plaindre, je préfère avoir... des ex que pas en avoir. Une pochette noire pour Sharpedo. Ça cache un peu la brillance, je trouve. Bon, au moins, c'est protégé, c'est le principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters pour cette partie. On est déjà 22 minutes de vidéo avec l'introduction. Donc, on va se dépêcher. Avec un nouveau booster bien ouvert. D'ailleurs, saviez-vous pourquoi, parce que les gens qui font les cartes Pokémon pourraient le faire, hein, pourquoi les cartes ne sont pas triées à la base? Ah. Parce que si les rares sont à la fin, elles pourraient être abîmées si le booster prenait un choc. Alors là, le fait de les mettre entre les peu communes et les communes, eh bien, s'il y avait un choc sur le booster, c'était soit la commune de devant, soit la peu commune de derrière qui se prenait le choc. Alors qu'il y a quand même certaines séries où les cartes sont déjà triées, comme dans le bloc Néo. Bon, là, elles sont pas pris. Enfin, il n'y a jamais eu de soucis comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Arco, c'était la minute du savoir. Goopix, qu'on n'a toujours pas eu d'ailleurs, le Goopix, je crois. Et franchement, il est super. Je crois que j'ai déjà le Fenard en rat. Hop, on reprend juste parce que la taille maximale de la vidéo a été atteinte. Comme il y a pas mal de téléphones qui font ça, en gros, toutes les 22 minutes par-ci par-là. Faut recommencer, donc on est juste de passer ce petit Rhinocan. Ah, ça va, je me suis aperçu assez vite. Donc on continue sur notre lancée. Musiole, Obali, Dimocles, qu'on n'avait toujours pas eu. C'est un style de dessin différent, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pas un Pokémon auquel j'accroche beaucoup, mais j'aime bien. D'ailleurs, il y a Exagite qui existe en holo. Pareil, bah, par exemple, s'il y a une holo que je pourrais ne pas avoir, celle-là, ça me gênerait pas. Voilà. Surtout qu'en holo, j'ai déjà eu le Hyporoi Alpha Triverse en holo. Senior et Junior, Palpe d'eau fraîche, Musiole. Waouh! Elle est super! Et les holos qu'on a pour le moment sont vraiment les meilleurs. Et je trouve une fois de plus que l'encre est plus grasse, mais bon, je vais pas me plaindre. Elle est super! Une petite pochette bleue. Oh là 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 là, c'est beau ça! C'est super! Ok, ça nous fait 3 holos, 2 ultras. Pour le moment, les holos remportent. Bien sûr, je ne compterai pas les holos reverse. Hein. Ah, ça serait marrant un jour qu'il y ait une série avec où les ultras pourraient être en reverse. Je sais pas si c'est ce que ça ferait, mais ça serait sympa. Quoique non, il y aurait, les ultras du coup perdraient de leur valeur, je pense. Alors, Sapero, Lumivol, Solarock, Goubou, Cracnoir, ouais, je crois qu'on est vraiment toutes les communes, Nidoqueen, Flobio, Sapero, Electroint en holo reverse, ça c'est génial puisque les holos je suis pas sûr de toutes les avoir, et Junko en rare, d'accord, bah, c'est un bon booster, c'est un très bon booster. Galeking, booster bien dodu là, je vois bien une foulard dedans là, et là. Allez, on y croit. Tac. Oh, on n'a toujours pas eu le super poussifeu qui existe. Je crois que c'est une commune ou deux communes, je sais plus.
Mais il y a un super poussifeu en alpha. Je sais pas si j'ai bien fait, 1, 2, 3, 1, 2. C'est pas grave. Tac. Alors, poussifeu. Hippopotas, qu'on n'a toujours pas vu. Ah, d'ailleurs, Hippo de cul solo, c'est une grosse blague. Hein. Ils ont pris l'artwork, ils l'ont collé sur un fond. Paf, un effet holographique, 4 euros. C'est nul. Hein. Araldo. Parloche. Zigzaton, il est super aussi, lui. Il est super. Zigzaton, j'aurais vraiment aimé qu'il soit en alpha de lui. Je trouve qu'il le mérite. Tentacool, d'accord, elle est sympa. Bah, je la préfère déjà qu'à la version normale. Vibranium, voilà, vraiment ce que je disais tout à l'heure avec le Tentacool. En fait, c'est plein de petits points. Voilà, là, vous les voyez. Je cours pas après ça, tu vois. Voilà. Je cours pas après. Observation du prof Seco. En reverse, Nidoqueen en Pokémon reverse. Et Boudleau en rare qu'on a déjà vu. Ok, donc là, le booster n'était pas terrible. Et pourtant, il était donné. Oh, bah celui-là, par contre, il est bien. Celui-là était bien. Bien scellé. Enfin, moins facile à ouvrir, quoi. Allez, paf, paf, paf. Touk. Rhinocorne. Je vais peut-être faire une autre pile de cartes parce que là, ça commence un peu à être haut. Mussiole. Obali. Staré. Coquipère, je viens de faire tomber le boule de noir de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ruse de Max. Rhinocéros. Ah, purée, j'ai cru que c'était la reverse, dommage. Linéon, super sympa. Et Tentacruel en rare, d'accord. C'est pas un rare qu'on voit souvent. Donc, quitte à l'avoir un moment, autant l'avoir maintenant. Le booster suivant. Je pense que je vais tous les ouvrir comme ça maintenant. De toute façon, les illustrations sont gardées parfaitement. Tac. Tac, tac. Alors, Hippotrempe, j'allais dire écume, je sais pas pourquoi. Loupio, Enchouette. Nidoran femelle, on l'a toujours pas vu en fait. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de Nidoran mâle, mais c'est sympa. Tentacool, énergie bouclier qu'on n'avait pas eu. Bon, je m'intéresserai à son effet plus tard. Barbicha qu'on n'a toujours pas eu, qui existe en rare en Alpharte. Bah ouais, bah, les trois nouvelles Pokémon, ça c'est cool, qui existent en secrète. Cherchez un Pokémon haut dans votre deck. Un rare pour le deck Keldeo Tortank, ça va être joué. Ça va être joué, je peux vous le dire. Gobou en Coin Reverse et Hippowrath en rare. Ok. Bon là je passe vite puisque c'est pas super super. Si on s'arrêtait là pour cette partie de display, ça ferait que deux Ultra et deux Ex. Voilà quoi. On va dire les deux moins bonnes Ex. Et trois holos, bon, même si c'est deux super, il y a deux super holos parmi les trois, ce serait loin d'être cool, quoi. Voilà, ça me ferait peur d'avoir le même quota dans l'autre partie. Allez, Araldo, Barloche, Zigzaton, Arco, Goupix, Seigneur Junior, Pack d'eau fraîche, une assurance. En reverse, le Zigzaton, bah, tiens, on a Linéon et Zigzaton qui suivent. Non! Bon, je devrais être content, hein, mais je l'ai déjà. Donc, voilà. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai un ami qui la prendra. Voilà. Ah, je suis déçu. Bon, c'est une ultra, hein, ça reste une ultra, mais je suis un petit peu déçu. Et donc, pour finir, Mega Gatling. Tac, tac. Bon, ça nous fait 3 ultra, 3 holo. Ouais, ça ferait donc 6 ultra sur un display. Bah, on a une primo et deux ex. Bah, faudrait qu'on ait au moins deux full art quoi, pour que je sois heureux sur le prochain. Je suis peut-être un peu exigeant, mais vu ce que j'ai vu, je pense que j'ai le droit de me plaindre. Alors, Limagma, Sapeuraud, Nenuplo, Magnificat, Kulotor, je reprends deux. Le multi-exp. La récupération d'énergie, qui est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, elle a bien interfaite avec le bout du type fée à droite. Masco, Frison, et niveau des reverse, par contre, on n'est vraiment pas gâté. On n'a eu qu'une seule rare reverse, quoi, en 18 boosters. Ici, on a une holo reverse, l'Elex Prince, mais ça pue. Hein. Bon, Frison et Volcaropode qu'on n'a toujours pas. D'accord. Bon, alors, petit récap très rapide. Toc, toc, toc. Comme j'ai mis les cartes sous pochette, je vais vite les retrouver.
Touc. Touc. Il faut que je retrouve le camérute qui est là. Et voilà. Alors, je crois que j'ai peut-être oublié le lot, mais c'est pas grave, au pire. Les cartes importantes sont là. Tiens, hop là, le lot, elle est là. Je fais trop bon. Si j'oublie cette au lot là, ça le fait pas. Parce que c'est le lot que je suis plus content d'avoir. Alors, on a eu un Minotaur holo, Alpha, Primo Groudon X qui ne m'appartient déjà plus, puisque donc je vais le donner à un ami, Camiruptex, Manaphy, Sharpedo X, et la drone qui est vraiment sympa. Mais écoutez, pour vous ce sera pour la semaine prochaine, pour moi ça va être tout de suite. Je vais ouvrir la deuxième partie du display, elle sera un petit peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça, mais j'ai envie de faire ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine, allez, à plus tard, bonne journée, portez-vous bien.